garçon, je sais, c'est pas très galant, mais quand même. Alors d'abord, Jean-Pierre. Jean-Pierre. J'ai fait voyage des meufs alors. Et,
elle finit taf avec moi et elle fait pas chier, bordel. J'ai pas compris ta réponse, t'as dit. Je ne cherche pas à m'embrouiller, c'est oui ou c'est non. Eh ben c'est oui, espèce de connard. J'y vais bien, il m'a dit ça. Bon, moi, avec une question pour Monique maintenant. Pour Monique. Pour Monique. Bonjour Monique. C'est une fille. Monique, si j'y invite toute la famille, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Avec les boules, les poissons, et tout, qu'est-ce qu'il faut, Monique? Monique, vous avez le temps de réfléchir? Monique, quelle est votre réponse? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton couscous? T'as raté la soupe avec des poireaux et puis des céleris? Maintenant, nous avons. Il va voir où je t'ai fou, les poireaux, hein, David! Marie-Cécile qui va poser une question à mon Mohamed. Marie-Cécile. Bonjour monsieur mon Mohamed. À quelle cause humanitaire voulez-vous vous consacrer? Bijoux, toute petite Marie-Cécile. Et jolie. Si tu veux, moi j'y suis pour les préservations et la défense des chameaux qui la démontrent parce que les dromadaires il a qu'une seule bosse. Et je suis pour la cour des chameaux parce que j'ai moi-même une écurie de 250 chameaux des compétitions. Alors Marie-Cécile, vous avez entendu la réponse de mon Mohamed? Oui. J'ai bien noté, pas tout, mais j'ai bien noté. D'accord, très bien. Ensuite, une question de Natacha pour mon Mohamed. Alors, bravo Alain, si je te propose de pénétrer dans l'impénétrable du plaisir sans fin, quoi? Oh! Comment? Qu'est-ce que c'est? Faut le camp des poupières! Faut le camp! Faut le camp! Faut le camp! Arrêtez! Une question de Monique à Jean-Pierre. Mais Monique! Moi, je voudrais savoir, est-ce que t'es plutôt baleine ou livret A? Mais Monique, monsieur Patrick Côté d'abord, c'était pour les bonnes femmes. Et puis les livrets A, je n'en ai jamais eu à l'école. Je ne suis pas allé longtemps à l'école. Alors Patrick, est-ce que la réponse de Jean-Pierre vous satisfait? Alors Monique, madame la du blé de caché, ce qu'on a quand même. Ah, peut-être bien. D'accord. Et pour terminer, pour les filles, Vanessa, une question pour Jean-Pierre. Jean-Pierre, on se rend compte à une rêve partie, forcément quand je te vois, je te kiffe. On décide de passer la soirée ensemble, donc arrivé devant ta porte, je te regarde et je te dis, t'en as. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, bien sûr. Je suis bien équipé contre tout le monde du père Eugène. Il est équipé comme le taureau de Eugène. Nous allons passer au vote. Vous allez pouvoir choisir entre Jean-Pierre et Momo. Alors les filles, qu'est-ce qu'on en pense? Monique, vous qui voterez? Ben Jean-Pierre, le vieux gars, il a du coup une flanquée, hein. Marie-Cécile, Jean-Pierre, le pote de génie. Ah, non, Natacha. Ben moi, Jean-Pierre, elle a l'air chaud comme un lapin. Et pour finir, Vanessa? Non, moi, je choisirais plutôt parce que moi, des chameaux à tout donner. À quasi l'unanimité, nous allons choisir Jean-Pierre. Ah ouais, je suis pas d'accord, c'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries? Mais non, calme-toi. Je suis pas d'accord, c'est tricueux votre jeu, c'est tricueux. Déjà à la famille au nord, ils m'ont viré. Au chiffre des lettres, ils m'ont viré. Je m'en vais comme un prince.
Jean-Pierre? Oui, oui, mais plus Fabienne. Alors, nous allons... Jean-Pierre, vous allez pouvoir poser votre question à nos quatre candidates. Oui, 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 oui. Alors, Jean-Pierre, une question donc pour... Les quatre. Les quatre filles. Quelle est votre question? Si, tu m'écoutes? La même question pour nos quatre candidates qui vont donc répondre chacune à leur tour. Si je te choisis, est-ce que tu viens à la fête? Et est-ce que je t'ai fait un gamin tout de suite? Ah, mais ça mérite d'être la question, elle m'a fait faire. Alors, Monica, qu'est-ce qu'on en pense, hein? Tant que pas le monde, ça coûte trop cher. Marie-Cécile? Amour mutuel et respect.
Est-ce que c'est pour toute la, votre vie? Oui. Je suis extrêmement fier de vous déclarer marié, moi l'abbé Rouet. C'est maintenant l'heure de fêter cet heureux événement avec tous vos amis, les country farmers, et que la fête commence.